Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un grand jour parce que mardi dernier, là on est le jour où je tourne la vidéo, on est le lundi 21 décembre, il y a une semaine, il y a pile 7 jours, il y a Apple Fitness Plus qui est sorti en France, pas en France justement, c'est le problème. Apple Fitness Plus c'est quoi? C'est le service d'Apple qui vous permet de faire du sport. Voilà, vous pouvez me dire, on peut faire du sport sans, oui il n'y a pas de problème. Mais le service d'Apple qui permet de faire du sport un peu à la Netflix, vous choisissez quel type de sport vous allez faire, quel programme vous voulez faire, vous allez le faire. En fait, vous allez avoir un coach qui va vous expliquer comment faut faire, etc. Tout ça va être relié avec votre Apple Watch. Vous allez avoir toutes les informations sur l'écran. De toute façon, en même temps que je parle, je vous montre des vidéos, vous voyez après ce que c'est. Il y a une barre qui va vous comparer aux autres pour voir si vous êtes plus fort ou moins fort par rapport au reste des gens qui ont fait le même exercice que vous, tout simplement. Il y a également plein de programmes, ils en rajoutent toutes les semaines. C'est adapté à tous les niveaux, que ce soit la première fois de vie que vous allez faire du sport ou que vous allez à la salle tous les jours, que vous soulevez 280 000 kilos, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, c'est adapté à tous. Il faut quasiment pas d'équipement, sauf si vous prenez le vélo, dans ce cas-là, il faut un vélo. Si vous prenez le rameur, il faut un rameur. Et souvent, il faut des haltères. Voilà, souvent, il faut des haltères, donc il faudra juste des haltères et un tapis. Un tapis, c'est mieux parce que surtout quand c'est les trucs au sol, si vous n'avez pas de tapis, je vous explique pas comment c'est horrible. Moi j'ai pas de tapis pour l'instant, normalement j'en aurai bientôt. Mais là sans tapis c'est très très chaud, ça fait très mal. Donc moi j'ai arrêté tous les exercices au sol parce que sinon j'ai trop mal. Voilà. Mais par contre c'est vraiment bien, ça fait perdre beaucoup de calories. Et c'est vraiment super sympa comme service. Par contre c'est pas disponible en France. Donc aujourd'hui on va voir comment on va faire pour avoir Apple Fitness Plus en France. C'est parti. Donc tout simplement ce que vous avez deux possibilités pour le faire. Soit vous allez garder votre compte iCloud actuel, soit vous allez prendre un autre compte. Sachez que si vous gardez votre compte actuel iCloud actuel, vous n'aurez plus aucun service Apple que vous payez. Genre Apple Music y a plus, Apple TV Plus y a plus, Apple Arcade y a plus. Vous gardez juste iCloud, je crois, et encore je suis pas sûr. Que si jamais vous avez aucun abonnement Apple, bah c'est pas un problème, hein, vous avez juste à changer de région. Et si vous en avez déjà un, va falloir soit vous acceptez de tout perdre, soit vous créez un autre compte comme moi j'ai fait. Donc on va voir d'abord la première technique. Pour ceux qui veulent garder leur compte, c'est très simple. Voilà. Donc vous allez dans réglages, une fois que vous êtes dans réglages, vous cliquez sur votre nom, prénom. Vous allez aller dans médias et achats, vous allez faire voir le compte. Ça vous fait un petit truc avec Face ID normalement, voilà. Et donc là c'est écrit que moi je suis en France et que comme je suis dans un partage familial, je peux pas changer de région. Non, on s'en fout. Donc voilà, une fois que vous normalement vous pouvez, vous cliquez sur le country région, enfin pays et région. Vous changez, vous mettez aux États-Unis, voilà. Il faut aussi je pense changer la région du téléphone, donc pour ça c'est très simple. Vous allez dans réglages général, région, vous mettez États-Unis, voilà, c'est très simple. Si jamais vous voulez faire comme moi, vous voulez pas en fait changer de tout supprimer. Prenez un autre iPhone, donc comme moi j'ai fait, donc là c'est mon iPhone de l'année dernière, donc l'iPhone 11. Donc j'ai créé un compte américain dessus, c'est tout simple, j'ai juste réinitialisé, j'ai créé un nouveau compte, comme quoi j'étais aux États-Unis, etc. Une fois que ça l'avait fait, vous allez connecter une Apple Watch. Il faut au minimum une Apple Watch série 3, donc une Apple Watch série 3, série 4, série 5, série 6 et SE. Toutes les Apple Watch ne fonctionneront pas, il faudra une de celles-ci pour pouvoir utiliser Apple Fitness Plus. Et une fois que ça serait fait, vous allez connecter à votre iPhone la montre et vous allez avoir du coup l'application Fitness qui sera juste là, qui va apparaître. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui je crois. Donc cette application Fitness va apparaître, vous allez cliquer dessus, donc vous allez avoir toutes vos informations de fitness, tout simplement. Et en bas, vous avez le petit truc Fitness Plus, vous cliquez dessus, là vous arrivez dans toute la partie Fitness Plus. Et donc vous avez plein d'entraînements, donc je vous montre. Plein d'entraînements, voilà en haut. Vous pouvez basculer, moi je ne vois pas très bien, voilà. Vous en avez plein. Et vous avez juste à choisir un entraînement. Vous cliquez, vous faites let's go, hop. Et là, du coup, vous cliquez play quand vous avez votre Apple Watch. Moi, là, je ne l'ai pas sur mon poignet, donc ça ne marchera pas. Par contre, si jamais vous êtes comme moi, que vous n'avez pas de carte américaine, il va falloir, oui parce que c'est payant au cas où, faut payer. Va falloir une carte bancaire. Donc si vous n'avez pas de carte américaine comme moi, j'ai que des cartes françaises, c'est très simple. Vous allez aller sur le site apple.com, attention apple.com, pas apple.com/fr, vraiment apple.com. Voilà, donc une fois que vous êtes sur le site apple.com, vous cliquez, vous allez taper iTunes card, hop. Voilà, vous prenez la carte que vous voulez, on va prendre celle-là par exemple. Et donc là, vous allez choisir email. Hop, vous pouvez essayer le montant. Donc Apple Fitness Plus c'est 10€ par mois ou 80€ par an, enfin dollars pardon. Donc voilà, 10$, hop, 10$. Vous mettez pour qui c'est, de qui ça vient. En fait vous mettez que c'est pour vous, vous mettez votre nom, votre prénom, votre mail, le nom, votre nom, votre prénom, votre mail,
Si vous voulez mettre un message, vous pouvez. Ensuite, vous faites ajouter au panier et vous n'aurez plus qu'à payer. Là, vous pourrez payer avec une carte française classique. Ça marchera très bien. Et une fois que ce sera fait, vous n'avez plus qu'à aller dans Apple Finance Plus. Vous cliquez sur votre profil en haut. Vous cliquez sur votre compte et vous faites ajouter. Donc, en anglais, c'est redeem. Redeem gift card or code. Vous cliquez. Voilà. Et du coup, là, vous n'avez plus qu'à ajouter le code et ce sera bon. Et une fois que ce sera fait, vous aurez accès à Apple Finance Plus et vous pourrez faire les exercices. C'est un peu mieux quand même que si vous ne pouvez pas les faire. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis à demain parce que oui, pendant ces vacances, je vais essayer. Je ne suis pas sûr d'y arriver, mais je vais essayer au moins de faire une vidéo par jour. Donc là, c'est lundi, c'est le premier jour. Donc normalement, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.